Yo les gens, ici Rafi sur T250, on se retrouve pour mon premier épisode de ma série sur ma carrière de FIFA 16 en tant que manager. Donc j'espère que cette première vidéo vous plaira et que la suite de ma série sur cette nouvelle vidéo vous plaira aussi. Donc je suis en compagnie de Manchester, donc j'ai commencé ma saison avec Manchester United. Donc on va commencer ça. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de son dans les menus parce que comme il y a les restrictions des droits d'auteur, ça peut bloquer mes vidéos sur YouTube. Donc ça me l'a fait par rapport à ma vidéo de Coupe du Monde féminine. Donc j'ai dû faire un remontage à la fin pour couper la musique, vraiment couper ma vidéo nette, on va dire. Donc vous n'avez pas mes salutations de fin des vidéos comme je vous fais comme d'habitude. Donc je suis désolé. Donc c'est parti, on va commencer pour un match contre Tottenham. C'est parti. Donc on prend les maillots rouges. Donc je sais pas si je vais avoir les musiques. Par contre il y a René qui est blessé. Donc c'est un peu bête ça. Peut-être le changer. On va mettre Schwarzenegger. Donc c'est un nouveau qui arrive à Manchester cette année. Donc on va le remplacer en attendant que René se rétablisse. Donc c'est parti. Donc paramètres, ok, oui. Ouais, c'est parti. Donc je vais vous faire deux matchs pour cette première vidéo de ma carrière manager de FIFA 16. Donc je pense qu'il faut... Ah oui, il faut le tacler. J'ai raté. Merde. Donc j'ai mi-temps 5 minutes pour que les vidéos durent pas trop longtemps. Donc c'est parti. Et le coup d'envoi du match sera dans quelques minutes maintenant, ici à Old Trafford. Ouais, un stade qui est plein comme un œuf, Hervé. Tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours, nous y sommes donc enfin. Donc même là, il n'y a pas de la musique. Même là, il n'y a pas de musique, c'est un peu chiant. On voit déjà toute la concentration sur le visage des joueurs. C'est un grand rendez-vous. C'est un nom qui interpelle sur la feuille du match, c'est bien celui de Bastian Schweinsteiger. Ah, ce transfert fait sensation. Un autre très fier ici d'avoir réussi à l'attirer. C'est un match que tous les supporters du club attendent, ils ont hâte de découvrir ce nouveau milieu de terrain. Et c'est vrai qu'on les comprend, hein. Il n'y a que sur le terrain que l'on verra si ce recrutement a été judicieux ou pas. Position Manchester. L'équipe de Manchester United qui s'affiche. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Il y a quand même de la musique, c'est ça qui est beau. Donc après, position de Tottenham. Donc après, on va aller sur le départ match de cette équipe de Tottenham. Alors côté tactique, c'est le 4-5-1 qui a eu la faveur des 12 entraîneurs. Donc c'est parti, on va l'aller sur ce du match. Donc on dit qu'il y a trop longtemps. S'agit depuis quelques années, franchement. Oui, c'est pas faux. Alors certains historiques ont déserté le stade, mais il y a encore une partie des tribunes qui est réservée à des supporters qui ne doivent jamais s'arrêter de chanter. C'est la règle. Mata. Voilà le duel. Il essaye de s'appliquer là sur son centre. Un centre bien négocié par le gardien. Il est peut-être débordé, mais il n'ira pas plus loin. Et le ballon qui change de camp, magnifique. Carrick. La cherche Adli. Frappe. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. Elle n'est pas facile hein, avec ce terrain. En plus, il pleut, donc c'est pas évident. Je crois qu'il peut. On va essayer de faire des bonnes actions quand même. Parce que... Carrick. Morgan Schneiderlin. Manta. Une, deux. Allez, qui peut le reprendre? Ouf. Un long ballon loin devant. Allez, les joueurs de Manchester United qui vont essayer de s'appliquer. Cette touche est bien placée. C'est clair, il peut y avoir un but si je joue bien.
contre, c'est déjà marqué là, c'est cool. Galère. Marcos Rojo lève la tête, il centre. Et le Russe qui rassure sa défense avec cette sortie aérienne. Donc on essaie de faire une première victoire parce que bah, c'est bien d'entamer le début de saison avec une victoire. Steinderlin. Morgan Steinderlin. Smalling. Donc mon prochain épisode sur la Coupe féminine devrait être sûrement fait dimanche soir, je pense. J'essaie de le faire dimanche soir. Schweinsteiger. Je vais bien voir ça, si j'ai le temps ou pas. Donc j'essaie de vous faire ça dimanche soir et il sera posté lundi matin. Donc, s'il n'y est pas, vous inquiétez pas, c'est qu'il va arriver prochainement. Oh, quelle occasion! Oh, le bon plongeon du Goloris. Ils obtiennent encore. Oui, c'est vrai, c'est Schweinsteiger. Oh, le tir! Oh, le sauvetage du gardien. Oh, il a rentrer, et c'est bien conservé ce ballon dans les bras. Donc ça paraît bizarre, c'est que c'est, je sais pas si moi j'avais fait, j'ai pas fait FIFA 15, mais dans mes souvenirs dans FIFA 14, vous savez qu'il y avait des matchs amicaux au début de saison. Ouais, c'est direct à la compétition directement. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. Je sais que là ils ont mis une sorte de coupe. Il y a des coupes. Mathéo Darmian. Ander Herrera. On va pas essayer de faire croire les joueurs parce que la fatigue est un peu plus forte que dans ce FIFA que dans les autres. Donc les joueurs se fatiguent plus rapidement. Schweinsteiger. Ander Herrera. Attention, la frappe. Il est sur la trajectoire, il a contré. Moussa Dembélé. Il joue vraiment bien, franchement. Harry Kane. Allez, olé, ça continue. À ce centre qui trouve le défenseur, finalement. Mata. Anderera. Bastian Schweinsteiger. Anthony Martial. Nasser Chadli. C'est de lui faire un match propre quand même. Ander Herrera. Carrick. Bastian Schweinsteiger. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Lamela. Il va essayer de lui prendre le ballon. Ander Herrera. Oh oui. Ah, faute. On récupère le ballon sur on ce faute là. Morgan Steinderlin. Le foot. Il prend sa chance. Avec un ses frappes, ça demande de la concentration, de la précision. Elle n'y était pas là. Il y aura donc une minute de temps additionnel. Christian Eriksen. Pour l'instant, le match est équilibré. Il y a plus d'occasions de ma part que de leur part. Et c'est la mi-temps ici, donc pas de but marqué. 0-0. Première mi-temps, 0-0. Donc il peut toujours. Sur le stade, je crois que c'est Ultraford, mais je suis pas sûr. Ultraford, oui, il peut toujours. Ultraford. Donc le stade mythique de Manchester United. Les joueurs qui entament à l'instant cette seconde période, toujours sous la pluie. Bastian Schweinsteiger. Ryan Mazon.
Anthony Martial. Steinderlin. Très belle intervention, très propre. Je passe. Oh putain, on prend la balle. Oh, il a pris un gros risque. En Pereira. Attention à ses coups de pied de coin, c'est souvent des occasions de but. Martial. Dommage. Bastian Schweinsteiger. Ah, hors jeu. L'attaque qui n'ira pas plus loin car le drapeau s'est levé hors jeu. Donc, je suis désolé si je parle pas de bouclier parce que je pense que tout de suite il n'y a pas besoin de parler de bouclier. Okay, les images parlent d'elles-mêmes. Le gardien à battre. Ouais, je le tire. Ah, le gardien qui soulage sa défense. Coup de pied de coin. Harry Kane. Ah, c'est bête hein, de gâcher un corner comme ça. Et je ne vois pas trop ce qu'ils ont voulu faire. C'est clair. La rumeur n'est plus une rumeur. L'information a été confirmée. Marco Verratti a signé à l'Atlético Madrid en provenance du Paris Saint-Germain. Et cette opération a coûté une somme que je préfère ne pas divulguer. Elle est mancunière à l'attaque. Non, merde, je pensais qu'il allait courir. Allez, au cœur. Danny Rose. Et ballon à nouveau pour Manchester United. Morgan Schneiderlin. Vertonghen. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Un moment euphorique là, le ballon qui circule bien. Christian Eriksen. Ah, ils avaient l'occasion hein, de prendre l'avantage au score. Ouais, là pour l'instant j'ai du mal à marquer franchement. Steinderlin. Pourtant c'est pas les occasions qui manquent. Hein. Mais... Schweinsteiger. Andereira. Elle a réussi à passer. Attention à la retombée. Le but. Le but. Et le premier but de la saison. Ah là là, enfin putain, la délivrance. Ben c'est vraiment qu'il n'allait pas rentrer. Rassuré là pour cette première audacieuse. C'est vrai, je trouve logique qu'il soit récompensé. Et beaucoup de lucidité et de rage en même temps sur ce coup de tête. Il a mis tout son cœur là pour la frapper. Avoir les 3 points de la victoire. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. Il peut y avoir un but de l'adversaire. Allez, avec cette ouverture du score, le match va peut-être se débrider. Si je pourrais en mettre un deuxième, ça serait bien. Les 30 derniers mètres. Et on sent que l'entraîneur veut un jeu plus direct. Il a demandé à tout le monde de se projeter rapidement vers l'avant. L'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. Et les joueurs qui ont pris l'avantage grâce à ce but que nous revoyons à nouveau. Une tête parfaite. Idéalement placée sur la gauche pour battre le gardien. Andereira. Ah, quelle qualité dans ses passes. Il bascule sur l'aile, histoire d'étirer ce bloc défensif très compact. Schweinsteiger. Oui, une belle action. Oh, le drapeau s'est levé. Vas-y, que ça doit être limite. C'est pas normal, il siffle 4 jours après. Écoutez les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être à un tournant de cette rencontre. Une grosse ambiance ici en effet, il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent bien. Oh non, la Sacha de Lille. Tausen. Moussa Dembélé.
une phase de jeu importante qui est là un petit peu gâchée. Le joueur était tout près de marquer, mais c'est quand même pas mal joué dans l'intention. Carrick. Parce que là, c'est la dernière action du match. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Towson. Et s'avance vers la surface. C'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater, hein, justement. Ah oui, parce qu'ils ont toujours ce petit peu de retard là à remonter. Je fais que des erreurs, franchement, je suis pas concentré. Ils vont tenter d'égaliser sur ce ballon l'un des derniers. Carrick. Schweinsteiger. Dommage. Dernière action. Ah, dommage. Dommage, j'aurais pu avoir un but. Voilà, c'est terminé. L'arbitre vient de siffler la fin du match. Victoire pour Manchester United. Donc voilà. Et l'entraîneur avait insisté première sur victoire de match, saison 1-0. Petite victoire, mais victoire quand même. Alors, cette victoire est importante. Il y a eu quelques imperfections. C'est une équipe qui s'installe déjà. Donc on va voir les résultats des autres matchs qui s'est passé. Donc je sais pas si on peut le voir là, non, on peut pas. Follow menu, je pense. Performance, non, performance, non. Donc là c'est les matchs qui n'ont pas encore été joués, je pense. Ou qu'ils ont été joués, je sais pas. Non, parce qu'il n'y a pas les résultats. Je sais pas si on peut voir les matchs. Transfert. Bureau. Non. Pas voir les autres saisons, peut-être calendrier, classement, tableau, rencontre. Voilà, donc il y a eu Aston Villa Bournemouth 1-0, Chelsea 4-1 contre Swindon, Everton Watford 1-1, Leeds City 1-0, Manchester, bah c'était moi, 1-0, et North City Crystal Palace 1-1. Allez, c'est parti, on est parti pour le deuxième match de ma carrière, donc c'est parti, on va y aller tout de suite, hein. Comme ça on va pas trop perdre de temps. Donc on va avancer le temps, on va simuler, voir ce qui va se passer. Donc il y a un match qui arrive, là je sais pas si c'est un match de compétition ou c'est un match de la saison, de championnat. Donc c'est un match, ouais, c'est un match du championnat, excusez-moi. Donc match contre, je vois pas, je sais pas c'est qui comme club ça. On va voir, on verra après. Donc c'est parti. Donc on va mettre le maillot blanc ce coup-là. Donc match contre Aston Villa. Donc je crois que c'était eux qui ont gagné leur match précédent, je suis pas sûr, mais. Donc c'est parti. Donc en espérant altérer l'exploit du match précédent. Ouh, bien joué là. Presque. Ah, je suis deuxième. Bienvenue à tous, bienvenue Franck, je vous Aston Villa contre Manchester United, en Villa Park, donc c'est vu le temps, Hervé, on a pas le stade de Aston Villa. En tout cas, c'est pas l'idéal pour jouer au football. Donc encore de la pluie, comme le match précédent. Donc prof en Angleterre, il pleut souvent. Comme en Normandie, comme chez moi, c'est à peu près le même temps que. Donc Normandie, c'est à peu près le même temps qu'ils ont en Angleterre. Souvent quand il pleut, chez nous il pleut également. Souvent. Donc en espérant faire un bon match cette fois-ci également. Wayne Rooney, le grand attaquant anglais, un peu plus qu'un attaquant. Oh merde, j'ai pas changé Rooney. Également au poste de milieu offensif, très combatif, hein, il ne lâche rien.
puis vous verrez courir de bout à l'autre du terrain, de la première à la dernière minute s'il le faut. Voici la composition de l'équipe à domicile. L'équipe qui va s'appuyer sur un milieu assez dense à 5, défense à 4 et un seul attaquant de pointe. La composition de l'équipe de Manchester United qui s'affiche. Les deux entraîneurs ont choisi. On pourrait peut-être faire le changement vite fait si on peut faire le changement. Composition d'équipe. Il est toujours blessé, donc on va mettre Tschötzinger à sa place. Voilà. Donc je sais pas s'il veut faire effectif directement le changement. Je suis pas sûr. Milieu à 5 avec un seul attaquant de pointe. C'est un 4-5-1. Arbitre Jonathan Moss. Donc ça fait vraiment anglais. Donc c'est parti. Première période. En termes du match. De cette rencontre. Donc moi souvent je joue en offensif comme ça, c'est pas mal. Carrick. On touche pour Manchester United. Schweinsteiger. Ouais, la bonne prise de balle. Bon, j'avais essayé. Ça aurait pu rentrer. Première frappe du match. Anthony Martial. Schneiderlin. Oh non. Ah, dommage. On va pouvoir jouer à la touche. Donc moi j'avais pas joué à FIFA 15, je trouve que les graphismes sont quand même magnifiques. Alors, je vous avais fait quand même une vidéo des. Bah d'accord, qu'ils nous ont fait, ils nous offrent la balle. Cette touche est bien placée. Donc, tant mieux, merci. Donc y a pas de joueur qui arrive là. Oui, là-bas. Anthony Martial. Ah, dommage. Est mal ajusté et récupère un ballon facile. Smalling. Anthony Martial. Il se dispute le contrôle du ballon. Schweinsteiger. Pereira. Jordan Amavi. Donc il joue latéralement là, l'équipe adverse. Allô. Eh ouais, le ballon qui circule bien. Hop, on a réussi à enrayer leur attaque. Mata. Par contre, j'aime bien cette vue là, mais franchement, on voit pas grand chose. Pour les actions, c'est pas top, on va dire. Juan Mata. Un magnifique plongeon sur ce ballon, c'est difficile à négocier. Corner à suivre. C'est de faire un beau corner là. Allez, on dégage loin devant. Ah, ça tourne bien. Donc pour l'instant, très bonne entame de match, il y a des bonnes attaques, des bonnes actions. Ah, ça joue très collectif, c'est très beau. Des bonnes phases de défense et d'attaque de ma part et de leur part aussi. C'est très équilibré pour l'instant. Par contre, je trouve que les attaquants ne se mettent pas trop en valeur. Parce qu'il n'y a pas trop de trous, on va dire. Ah, dommage. Passe mal ajusté. Il perd de ce ballon. Albert Herrera, à qui l'on souhaite un joyeux anniversaire. Ah, c'est l'anniversaire d'Albert Herrera, c'est bien ça. Ouais, je Anthony Martial. Dans la surface, le centre. Oh, dommage. Il était beau celui-là. Ouais, parce qu'il ne peut pas la rabattre. Il était très beau en plus. Une belle occasion qui s'envole. Il a bien joué le coup. J'ai tenté, j'ai essayé. De toute façon, faut tenter pour marquer. C'est pas ça sert à rien qu'on marque des buts. Faut tout le temps tenter les choses.
Ouh, dommage. Oh, il y a faute là. Va-t-il le sanctionner? Ah, il n'y a pas de carton. Donc, c'est très bien. Ah, très bien, non? Ça aurait été bien pour moi. Pour moi, ça aurait fait un avantage. Le record est de 76 588 spectateurs. Ah, mais ça date merci. De 1946. Hein. À l'époque, toutes les places n'étaient pas assises. Smalling. On va essayer de tenter quelque chose là. Ah merde. Bonne récupération. Trop vite à chaque fois. Carlos Sanchez. Ayou. Ah, ça c'est bien cette talonnade. Steinderlin. Oh, c'est mal défendu ça. Rebelle passe. Et le tir. Ah, dommage. Oh, le gardien qui est sur ce ballon. Oh, il va pas attendre le rebond à la volée. Allez, en place sur le gardien. Dommage, dommage. Bonne phase de jeu là. Il y a eu des bonnes passes. Mais l'action a pas abouti. Dommage, dommage, je trouve. Mais bon. Hop, la défense reprend la balle. Très bien. On va construire notre jeu. C'est de construire quelque chose là. Anthony Martial. Carrick. Ah non, dommage. Ballon dans l'entrejeu. Bah, passe interceptée par le défenseur. Deux minutes de temps additionnel. Carrick. Ah là là, passe encore interceptée par les attaquants, par les défenseurs. Là. Donc, comme tout à l'heure, comme la même entame de match, de bonnes occasions, mais pas de but. Donc 0-0 à la mi-temps. Donc c'est parti, on va commencer la deuxième mi-temps. Donc on va quand même voir les stats. Donc possession de balle, j'ai une meilleure possession qu'eux. Donc c'est parti. L'arbitre est prêt. On va essayer de faire quelque chose. Ouais, après, on n'est pas. On n'est pas obligé de gagner tout le match, on fait un 0-0, c'est déjà pas mal déjà je trouve. Intervira. Par contre là. Il y a beaucoup qui jouent là. Oh dommage. Hors jeu. Il y en a beaucoup à jouer là. J'ai tenté mais il y avait situation de hors-jeu. Donc on va essayer de ne pas prendre des buts. Hein. Le centre, oh, en fait, il ne sera pas cadré. Il a manqué quelques centimètres en effet. Mata. Ouais, c'est très bien taclé ça. La rumeur a pris fin lorsque l'information a été confirmée. André Di Maria a signé au Paris Saint-Germain. En provenance de Manchester United. Ah. Et quand je vois la somme qui a été déboursée pour cette transaction, je me dis que le football est devenu complètement fou. Il va y avoir un changement. Ouais, ils ont pas mal de joueurs qui sont partis à Manchester aussi et des joueurs qui sont arrivés quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est. Moi, je dis principal, c'est qu'on a toujours Rooney parce que Rooney c'est vraiment un bon joueur. Moi, j'adore ce joueur. Il est à la j'adore ce qu'il fait en équipe nationale et en équipe. En club quoi, Manchester. Donc je crois qu'il a même commencé sa carrière chez eux. Je ne vous dis pas de bêtises. À l'âge de 16 ans, je pense. Je sais qu'il a commencé de bonne heure à Manchester. Il n'était pas en équipe première, il était peut-être en. Excellente interception, bien joué. Donc on va essayer de marquer parce que là ça commence à être chaud. Il essaye de s'appliquer là sur son centre. Wow. Le gardien qui a bien jailli. Oui, ballon bien arrêté par le gardien. On en reste sur ce score de parité. Schweinsteiger. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Nzagbia. Pour l'instant, deuxième mi-temps, pas terrible. Pas très bon engagé, je veux dire. Peut-être un bon coup à jouer avec cette remise en jeu. J'ai du mal à traverser leur moitié de terrain. Carlos Sanchez. Peut-être la déconcentration un petit peu, puis comme ça. C'est bien, sur l'aile. C'est pas, je vous ça dis plusieurs fois, c'est pas évident de faire une vidéo quand vous commentez. Mais bon, après. Anthony Martial.
Je vous invite à essayer si vous voulez. Oh, mais qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Nous n'irons pas plus loin sur cette action. Voilà, faute. Ça, je vous dis l'arbitre. Non, faute. Les joueurs de Manchester United sanctionnés avec cette faute. Non, sanctionné, il n'y a pas de carton. Non. Donc là, il reste 20 minutes. Pas vraiment 20 minutes, mais 20 minutes. Quoi. Carrick. Il arrive à centrer. Ah non! Ils avaient bien l'intention de faire la différence, mais c'est dommage pour ce coup-ci. Balle pas très cadrée là. Et l'entraîneur qui va procéder à un changement. Smalling. On essaie de construire parce que là franchement on n'arrive pas à marquer. Ah non mais c'est quoi ces passes de... je sais pas quoi là. Ils nous font des passes à chaque fois, les mecs ils ne touchent pas la balle. Clairement ils perdent ce ballon. Il y a faute pour l'arbitre. C'est pas qu'il est pas blessé. Blessé je veux dire. L'attaque qui est finalement enrayée par la défense. Oh, ce ballon commençait à trop traîner, il fallait intervenir. Je sens pas la victoire pour ce match parce que pendant ce temps, il n'y a pas trop d'occasion. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ah oui, le centre. Ah, dommage, je pense que ça va finir sur un 0-0 pour ce deuxième match de compétition. La coupe anglaise. Ah non. Et peut-être pas parler trop vite, peut-être que je vais me prendre un but. Carrick. Bastian Schweinsteiger. Allez, faut pas la rater celle-là. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah là, but à la 86e minute. Ah là, franchement, ah là, j'y croyais plus, j'y croyais plus. Je suis trop content. Ça m'a embêté de finir sur un match nul. Mais bon, là, franchement, un but à la dernière minute, ça me va, franchement, amplement. Donc, but de, j'ai pas vu c'est qui. On va bien voir ensuite après. But de Ander Herrera. Donc, très beau but de sa part. Donc on va essayer d'en marquer un deuxième, mais là, voilà, faut peut-être pas arriver non plus. Score, ça fait 1-0. Et non plus pas se prendre de but. Oh là là. Surface, le centre. Il y aura 2 minutes, hein, 2 minutes de temps additionnel. Allez, 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 allez. Non, non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Moi j'ai mal géré. J'aurais pu avoir une bonne occasion. Là. Allez, on y va. Dernière occasion. Attention, elle a retombé. Ah bah non, j'ai mal fait mon centre. Donc bah, voilà. Victoire 1-0 contre Aston Villa. Donc je pense qu'on est premier du classement, mais on va aller voir ça dans le menu principal. Les bonnes occasions et les transformer. Belle prestation. Donc c'est pas de grosses victoires, hein, franchement, que je fais, c'est que des petites victoires. Mais le principal, c'est la victoire du match. Hein, c'est pas de mettre 15 buts, 10 buts, vous aurez. C'est la même chose quoi pour moi. Mais qu'il n'y a pas de match disponible, je sais pas pourquoi. Donc voyons les résultats. Donc je suis premier du classement. Deuxième Chelsea, troisième Arsenal. Quatrième Southampton et cinquième Sunderland. Donc voilà, classement. Est-ce qu'on peut voir les matchs aussi, les victoires?
Ça doit être saison, je crois. Hop. Je sais pas s'il y a eu des rencontres. Non, c'est les mêmes que tout à l'heure. En fait, il n'y a pas eu de rencontre depuis mon match. Non. Ah oui, il y a Manchester. Oui, il y a eu quelques matchs tout à l'heure. Je crois que ça s'est arrêté à... À North City, donc il y a eu Arsenal, Wanstaham, United 2-0, Newcastle, Sutton 2-1, Stoke City, Liverpool 0-0, West Bromwich, Manchester City 1-1, Aston Villa, Manchester 1-0. Donc voilà, j'espère que ce tout premier épisode sur ma saison manager carrière sur FIFA 16 vous aura plu. Moi je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. C'est bye bye, portez-vous bien.